Allez, c'est parti. Là, on fait le 14. 436 mètres par 5, handicap 12. Par 5 de 436. Et on va se le faire en mode vlog. Voilà. Je vous accompagne sur le parcours, vous allez voir ce que ça donne. Allez, Christian, la main. Ouh, c'est quoi ça, des graminées? Ouh, les écuries juste à côté. Allez, mon Christian à la main. Et vous allez voir, il cogne, hein, le salopard. Il maltraite sa balle, le Christian. Et voilà, un joli draw, tu vas être sur la gauche du fairway, elle prend le rebond, elle te ramène. Très belle comme balle. Bravo Christian. Merci. Ouais. Ça marche bien nos drives aujourd'hui tous les deux. Allez, 14, un par 5, Christian vient de faire un avion de chasse. Je vais m'aligner sur les bunkers de gauche là-bas. En fait, pour moi, c'est ça l'alignement, non? C'est ça qu'il faut faire, oui. Et oui, c'est ça qu'il faut faire. Aussi. C'est là que j'étais, c'est là que je suis. Agade. Hop. T'es un peu trop à gauche. Ah. Je t'ai prévenu. T'es exactement là où t'es aligné. C'est vrai? Ah oui, donc tu sais, je vois, c'est bon, il n'y a pas de bandeau. Oui. D'accord, t'aurais pris l'arbre. Gauche, exactement, ok. Attention. Faut que tu reviennes et vérifies ton alignement. C'est l'intérêt d'aller de là d'ailleurs, je me mettrai là plus souvent pour toi. C'est vrai? Bah oui, parce que je vois que... Allez mon Christian. C'est des faux classiques aussi des amateurs c'est de base, top. Hein. L'alignement. Alors là on joue plutôt pas mal, je dois avouer. On vous fera la carte complète, je la mettrai sur le site. On score pas bien à cause du putting de... Ouais, on a fait quelques petites conneries. Tout dépend du délire qu'il n'y a pas. Mais globalement... Ça reste un golf accessible qui est magnifique et accessible à tout le monde en fait. En fait, dès que... Physiquement et techniquement. Il ne faut pas s'égarer. Dès qu'on est sur le fairway, ça score. On fait des pas, on a frôlé des birdies, on merde un petit peu quelques putts, parce qu'on voit des lignes là où il n'y en a pas. Après, on a eu quelques, voilà, pas connaître, des arbres. On n'a pas de télémètre, donc sur les distances, deux, trois petits défauts, et puis ça reste une chaîne amateur. Hein. La gratte et la top fait partie du jeu, les amis. Allez, oh là là, regardez comme c'est joli. Les arbres en fleurs là, c'est quand même magnifique. Donc moi ma balle, je voulais m'aligner sur les bunkers là-bas, mais elle est partie sur l'alignement de l'arbre là en fleurs. Je vais peut-être pas être sur le fairway. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, grave, grave. Regarde ma mine. Il y a ma mine. Quoique, jolie, là, t'es pas si loin que ça, ça avait plus roulé. Jolie balle, Christian. Ouais, pas mal ma balle, là. Ouais. La mienne aussi, sauf qu'elle est du coup dans le rough. C'est pas très grave. 180 là. Mètres, je sais pas quoi jouer. Dans une balle, enfin avec un rough comme ça. Ton bois. Un bois là-dedans. Oui, ça va, elle est pas si... Tu vas voir, essaye. Mais tu vois, j'ai tenté. Pense à contacter comme un fer, c'est tout. Alors, je vais tenter de contacter comme un fer. Essaye, je te promets rien. Ben non, moi non plus. Ouais. Je vais voir, hein. On va voir. Hein. Ouais, ça s'enfonce. Ouais, ça s'enfonce. Voilà, t'occupes pas du reste. Et le rêve la fera rouler. Ah, elle est partie encore sur la gauche, je vais me reprendre du ref. Ouais. Ok, bah après j'ai passé l'arbre là-bas. Ah, j'ai un peu forcé. Donc tu 14, vois, là où tu es ralenti. Ça veut dire que je l'ai dans les pattes. Hein. J'ai ralenti. Là où tu ralentis, c'est que tu prends ça d'herbe avant. Ouais. Tu sais quoi, la prochaine fois, je me mets sur le fairway. Voilà. Non, tu t'alignes correctement au départ, t'es cool, Christian. J'ai dû jouer, du fairway. Parce que tes coups sont parfaitement droits. J'ai tenté un bois, mais ça m'a pas... Alors ça m'a sorti, j'ai avancé. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Allez, regarde.
regardez quand même Christian. J'ai joué un club que j'ai jamais joué aujourd'hui. Christian, il nous fait une belle, voilà, une belle balle là. Il est en 1 ici. Tu joues pour quoi en distance? On est à 180, à 170. C'est ça, je pense, ouais. J'ai joué un club que j'ai pas encore joué aujourd'hui, mais bon. Je sais pas quoi, ça a tous les noms qu'on veut, commerciaux. Oh, il a fait un joli c'est bruit. C'est à gauche, ça va dans alors le bunker. Ça va dans le bunker, tu crois? Oui. Non, t'as échappé au bunker. Ouais, donc t'es au niveau du deuxième bunker, en deux, et c'est un par cinq. Ah bon? Bah, je sais pas, je te pose la question c'est en fait. Qui? Regarde, je crois. Hein. Je crois pas, mais par cinq, ah oui. C'est un par cinq. C'est dommage, je suis au niveau. Oui. En deux là, Christian, c'est joli. C'est mais il n'est pas très long. Non, regardez, non, regardez le sourire. 437. Voilà. Ouais, ah mince. Ouais, on va dire à hauteur, 2. Mais c'est dommage. Il est parti un peu à gauche. Ah, tu aurais pu être en 2 sur deux, le green. Il se peut-être pour rigole comme à la télé. Oh là 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 là. Comme à la télé. Quand on prend les panneaux, la 90, c'est entrée de green ou milieu de green? C'est entrée de green entrée pour les par green. 4 et par 5. Pour les par 3, c'est le milieu. Ok. Et le problème, c'est le contact dans le ref. Est-ce que je t'occupe joue pas, allez, t'occupe pas. Ouais, non, mais si, je m'en occupe. Non. Bah, je vais mettre un petit sac en plus quand même. Non, non, faut pas saquer. Ah, putain. T'as saqué, voilà. En fait, le ref demande d'être encore plus parfait, c'est tout. Il demande d'être plus précis, je préfère. Ah, puis je l'ai topé. En fait, je l'ai topé, elle a traversé, elle est passée de l'autre côté. Mental, le golf, et je pense que la lucidité, alors boire, manger, là on a explosé les bouteilles d'eau, des compotes, j'ai un petit mal de tête, et je pense que ma lucidité paye un peu. Pile poil au niveau. Un peu en lucidité. Il fait tellement chaud, au final on se croirait en été. Allez, regardez, je vais juste vous montrer la balle de Christian quand même. Voilà. J'ai le temps de faire bien mesurer. Ah mais concentre-toi mon comme Christian. Comme tu es de l'autre côté. Je vais me placer. J'ai le temps de trouver mon point de chute. Ah. Pas beau? Pas beau ça? Ah, c'est joli, mais j'aurais juste voulu que tu attendes que la caméra soit prête. Alors tant pis pour toi, mon ami. Allez, moi je vais être par là. Bon, pas sûr, mais c'est pas grave. Ah. C'est bien. Allez, roule. Alors, tu veux que je te montre la ligne, c'est ça? Non, hein, c'est pas le même putt là. C'est en descente, ok. Quand même. Hors de mon contrôle. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, pas à sauver. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, oui, le par. C'est ça, hein? Ouais. Oui. Oh, j'ai jamais revenu, t'as vu? Il y a des pentes. Je joue, j'ai réussi exactement ce que je visais, donc... Ah, les pentes ici, il n'y en a pas, il y en a... Ouais. Joli, ah, ouais, joli par. Ah oh, oui, oui, regarde. Allez. On se fait un par. Eh ouais. Donc, par sur le 14, c'est pas mal. Un trou facile. Là-bas. Allez. Donc, je vais essayer un draw. Ça va frôler les arbres à droite. On est le 15, au 15. M'entends? Un draw en frôlant les arbres. C'est-à-dire que je vise le bunker qui est là et ça tourne un peu et à gauche. Il devra revenir. D'accord, vas-y, fais voir. Oh, mais tu fais en plus, tu l'annonces. Elle est belle, hein, ça. Oh, ça paye pas. Dommage, parce que tu restes dans le rough. Ça paye pas, mais il risque, hein, quand on connaît pas le parcours. Et ouais, mais c'est comme ça. Tu l'annonces, en plus, c'est ça qui est joli. C'est ça le plus beau. Tu dis, je vais frôler les arbres. Ah oui, moi j'aime bien ça, moi j'aime bien. Tu frôles les arbres. Moi j'ai. Allez, moi je me mets à gauche du bunker parce que je vais pas prendre les mêmes risques que toi. On sait aller plus loin que ça, je sais pas. Les distances, on se rend pas compte. Ah,
Ah, plus à gauche, tu vas rouler. J'espère. Plus à gauche, tu vas rouler, c'est mieux. Voilà. Eh ben, me le dis pas. Bien. Bien. Plein badin. Là, ça va plus loin que moi, ça paye mieux. Bah, je suis, voilà, en même temps, c'est ce que je me dis, autant viser. Alors, c'est sécurisé. Le deuxième coup sera probablement propre à jouer. C'est bien. Et je suis content. De t'être repris. Oui. T'as dit, j'ai un peu fait exprès pour le coup. Christian, t'as raison, c'est mon défaut. C'est qu'en fait, j'arrive pas à m'arrêter dans la routine quand quelque chose me gêne, et là, je viens de faire l'effort. Christian prend des risques. C'est hallucinant. Aucun qui n'a payé ? Ouais. Sauf peut-être une fois, un bon. Mais bon. C'est pas... Tu prends des risques, c'est assez marrant. En fait, on voit pas les. De si loin, on voit pas les. Exactement. Dangers. Là, il y a un ref derrière le bunker. Alors que moi, j'essaie de viser, voilà, sécurité, sécurité, sécurité. Ouais. Moi, quand je joue bien. De belles balles et de beaux jeux. Un beau jeu. Quand je joue bien, j'attaque. Ouais. Mais c'est plaisant, hein. Du coup, ça fait une belle. Ça me fait une belle partie. J'espère que vous vous régalez autant à mater la vidéo que nous à jouer cette partie. Vraiment, je vous le souhaite parce que c'est un régal. Et ce golf est magnifique. Vraiment. J'aime bien. Alors, les golfs de notre région, de la région, tous ceux qui regardent cette chaîne de France, de Navarre, d'Outre-mer, des États-Unis, de partout dans le monde, on a une région fabuleuse entre l'Oise, le Val d'Oise, les Yvelines. Une vraie région golfique. Une multitude de golf, c'est hallucinant. Et quelle qualité de golf, quoi. C'est vraiment, c'est un vrai régal, un vrai plaisir. Donc voilà, je vous emmène golfer. Ici, au golf de d'Apremont. Un vrai plaisir. Et d'autant plus un plaisir, moi je mets une balle plein milieu. Donc, 90, 135, 130, 120 en descente pour mieux être devant plutôt que d'être trop loin. Allez, je vais sortir un fer 7. Je suis en mode fer 7, ça me suffira largement. C'est beau. Allez. Va. Et hop, je plante le green. Bravo. Et je roule pour être à hauteur de drapeau. Oh putain. En régule. En régule, alors qu'on est au 15e, là, un truc comme ça. Ce qui fait que normalement, je l'ai dans les pattes. Oh, vous allez voir, je peux jouer. Allez, Christian lui a pris des risques. Mais il est resté dans le ref. Ah shit, je me relève, qu'est-ce qui m'arrive topé. Bonsoir bien. Et il rentre sur le green à gauche et il en ressort. Ok. Mais ouais. Pas décontracté là. Ouais. C'est super plaisant d'avoir des balles. C'est énorme d'avoir des balles en mode été, il fait 27 degrés, elles volent beaucoup plus. Donc en fait il a fallu qu'on ajuste les distances tout à l'heure, en début de partie, pour se dire oh là là, attends. Et on a réajusté, moi là pour 125, peut-être 130, je joue un fer 7. On sort bien. Je suis après le drapeau. Voilà. Ah, en contre-jour. Eh, oh ! Allez, regardez-moi ce décor, comme c'est joli. C'est beau quand même. Voilà. Raté. Eh ben dis donc, je pensais que je serais proche du drapeau, mais je suis de loin. Attends, c'est les distances qui te perdent de loin, tu vois tout près. Mais j'aurais pu j'ai merdé, mettre un fer de moins là facilement. J'ai merdé. Grave. Allez,
Ouais, c'est hors de mon contrôle. Allez, allez. Ah. Fais-nous un beau retour pour un joli pas. Joli. Part. Joli. Non, joli part. J'ai raté le coche, moi. Première approche merdée. Sauvé par le pote, sauvé par le pote. Yes ! Joli part. Et ben voilà, putain, pas mal, deux parts. Donc là, on est au quoi ? On est au 15 ? Ouais. Et part, putain, le niveau s'améliore, dis donc. Enfin, je parle surtout du mien. Et puis, Christian, dès que t'as un partenaire qui tient le choc, oui, c'est ça. Bah, ça ouais. T'émule. Toujours. Toujours. Allez, hop, on enchaîne. Le 16 est marrant, dis donc. C'est un par 3 avec plein de flotte. 137 mètres, le 16. Mieux de green. 137 mètres, le 16. Ça va être bien celui-là. Voilà. Joli ça. Ouais. Ouh. Elle prend le green, le début du green. Ok. Et surtout pas loin du drapeau, chef. En plus, elle n'est pas loin du drapeau. On pense, oui. On voit pas bien. Ouais, pas loin. De... Ah, le drapeau est plus loin encore. Bon. Allez. Mal contacté, quand même. Ah! Ça va dans la flotte. Ouais, ben il me fallait au moins ça. Donc tu peux dropper devant l'eau, hein, ou jouer, ou rejouer de là, comme tu veux. Non, non, je vais. Bon, ben voilà. Hein. Il fallait bien que ça arrive. Voilà, et il fallait, et il le fallait. Donc une balle dans l'eau. C'est la première vraie grosse connerie que je fais. Depuis le début, donc là on est au 16e, je suis plutôt content de moi. Je vais remettre une balle ici, du coup j'ai pas vu ou estimé la distance qu'il y aurait là. Est-ce qu'il y a une dropping zone? Non. Alors je vais vous mettre une balle là, voilà, on va faire ça. Ça, et toute la question du coup c'est qu'est-ce que je joue, à combien t'estimes là? Je regarde où tu drops déjà. Là. C'est sûr, d'accord. Non? Ah ben, le terrain est dur. Pas mal, elle est bien. Ok. Là combien j'estime? Ouais. 80. Il y a un peu de vent. Tu sais, tu. Ouais. 90. Ah ouais? Ouais. Eh ben écoute, moi j'ai mis. Pour 110. Le drapeau est plus loin que prévu là. Je suis fait avoir. 110, le drapeau est à 150. Hey. Ouais. Tu vois et tu vas l'avoir. Tu vas être juste un petit peu derrière et à gauche. Ah moi je suis trop loin. Ok. Tu tapes comme un sourd aujourd'hui. Non mais j'ai joué pour 110. Ah bah écoute, et toi tu as aussi dit 90 ah, bah, et tu vois 90. Si t'as pas ça me paraissait. Si t'as pas confiance en ton cadet, c'est pas la peine. Moi je t'ai fait confiance. Alors, tu vois, si je mets. Je t'ai fait confiance à chaque fois, ça a marché. 90, ça, je sais pas. Bon. Allez, 1, 2, 3, je suis derrière le green. Un coup, une pénalité, un troisième coup. Moi je suis à 10 mètres en fait. Hein. Je t'ai fait une super. Je suis à bien 10 mètres. Et Christian, il est sur le green. Le drapeau est au fond. On et voit oui. pas de là-bas. On et oui. Pas. Et oui, mon Christian. Ah c'est vrai que j'oublie, bon, les mecs ils viennent là, tu sais ils prennent leur parapluie, c'est vrai que j'oublie ça. Alors mode ombrelle, là on a vu ouais. beaucoup d'ombrelles aujourd'hui vu ouais, la météo. C'est vrai que je prenne l'habitude, c'est sympa ça. Ah oui. C'était une journée d'été, est-ce que vous voyez que j'ai pris des couleurs? Pourquoi je porte la barbe? Pour me protéger. Allez, revenons au jeu. Ouais. Ça vaut mieux. Voilà Christian.
sur le green. Bon, j'ai fait à distance ce qu'ils m'ont dit, mais bon. Ah, mais ah, attends. La bêtise. Je suis derrière, mais il y a encore de l'eau. C'est marrant, il n'y a pas de marque de pitch hein, sur ce ouf. T'as vu comme moi fou, pourquoi, faut jamais être derrière. T'en sors bien ou pas? Ben, je suis juste là en bordure. Ouais. Je te dis, derrière, on sait jamais ce qu'il y a et c'est pas fait pour jouer. Je m'en sors avec du bol en fait. Oh, t'en reste 15. Je suis en train de morfler là. 1, 2, 3, 4. Je joue le cinquième. Ok. Oh, la honte. Bon, ah, comment c'est beau derrière. J'ai un petit coup de mou là. Stanley. Quoi? Ouais. Alors voilà, j'ai un petit coup de mou, soit. Mais regardez un peu ce décor. Regardez, là, on est sur le green du 16. On a la flotte, on a le Christian, la partie là-bas en face. C'est un vrai régal. C'est un vrai régal, allez, Christian. Christian, c'était pour birdie. Ça va faire pas trop ça mal. Un pardonné, ça. Vaut mieux être en dessous que dessus, là. Ça va faire un pardonné. Je me fais donner, t'es gentil. Non, ah non, bah non, je croyais. Ouais. Allez, tiens, t'es moi, je vais caméra, faire... T'écrases. Ça me fait un... Ah oh, non, non, je ne pas, moi. Bon, allez, je l'ai. Ouais, je joue. Allez, devant la caméra, sois pro. Oui, je viens de dire que je prenais un coup de mou là. Allez, Christian, t'as un part en jeu donc. Joli part, cher ami. Merci. Eh bien, voilà. C'était le trou, si je ne me trompe pas, de 16. J'ai un problème de lucidité là, donc double part, mais vous le savez, hein, des fois, lâcher voilà, un trou sur un amateur, hein, sur une partie amicale, bon bah voilà, j'ai lâché ce trou. Oh, c'est pas grave, hein, si regardez. Moi je suis là pour ça, pour ce décor, plus que pour le score. Allez, vous aimez cette chaîne ? Likez, partagez, abonnez-vous, mettez un pouce, commentez, j'aime bien moi quand vous commentez, que vous me mettez vos retours, tiens, sur mon jeu, sur notre jeu, sur ce que l'on fait bien ou pas bien, ce que vous aimeriez voir en plus sur ces vidéos, ce qui vous plaît sur ces vidéos, histoire de progresser et toujours vous amener des décors de plus en plus beaux. Allez, on enchaîne, on est sur le trou numéro 17, on va enchaîner. Il a l'air d'être splendide également, celui-là.